Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse éclate sur Arc Survival. Il est 19h48 et nous sommes le vendredi 10 mai 2019. C'est Rem et Paco qui parlent de Dev, ouais. Ça doit être un week-end sur deux peut-être, ils doivent, je sais pas, ils doivent se le partager. Je sais pas si ça se partage, j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir. Ok, Rem. Bon, moi je m'excuse hier, hein, j'avais trop mal à l'œil, hein, Chiro, Paco, de vous avoir laissé de bonne heure. J'ai regardé un film, bon, j'ai réussi à le regarder jusqu'au bout, puis après j'ai éteint. Hein. Je me suis levé à midi et demi, je crois, une heure. Ah ouais, non. Et là, ça va mieux l'œil. Hein. Voilà, donc j'ai pris une poussière dans l'œil, je sais pas ce que j'ai eu, hein, je faisais des travaux, j'ai eu un truc qui est tombé dans l'œil. Et puis je me suis pas rincé l'œil de suite. Hein, rincer l'œil, hein, normal, hein, au sens propre, hein, c'est pas rincer l'œil en regardant autre chose, hein, enfin bref. Et puis j'étais irrité, et voilà, donc Patricia m'a fait du collier de 2014, j'ai mis dedans, ça m'a apaisé un petit peu, elle m'a dit tu devrais te laver ton œil à l'eau tiède, alors je vous conseille, hein, si vous avez une petite saleté dans l'œil et tout, bah l'eau tiède, hein, c'est super. Puis comme l'œil était irrité, bah j'avais mal, j'avais encore mal. Et puis j'ai mis un torchon là, j'ai mis mes lunettes et puis j'ai regardé le film d'un œil. Et puis voilà, quoi. Hein, ça peut servir. Hein. Donc si vous avez une poussière dans l'œil, bah nettoyez-le avec de l'eau abondamment. Et si ça pique encore, c'est que c'est irrité, bah il faut garder l'œil fermé. Le lendemain, ça ira mieux. Voilà. Papy, il aime se rincer l'œil avec Dev. Non. Non, je. Non, c'est pas vrai. Alors, il doit vivre avec les Fiomia maintenant. Merde, parle trop de la serrure. Ah bon, je sais pas, il y a du vécu, chérou. Trince l'œil en regardant le trou de la serrure. Mais ça, c'est vieux, ça, parce que c'était des grosses clés. Maintenant, c'est des petites clés, on ne peut plus voir, il y a trop de la serrure. On ne peut plus voir ça, faut faire un trou maintenant. Comme il y en a, il s'est fait gauler, là. Il avait fait un trou, il regardait ses voisines par le trou. C'est fou, c'est où c'est qu'on va dans BD. C'est dingue, hein. Un truc de dingue. Oh, bah, il va être condamné, hein. C'est interdit, faut pas le faire, ça. Je pense pas que Fier il ferait ça, lui, pour regarder sa voisine. Il n'y a pas besoin de trop, lui, la voisine, elle ouvre la porte. Ah, mon ami Fier, j'ai pas de nouvelles, je m'ennuie de nuit, là. Hein, vous ennuyez pas de Fier. Oh, mon petit bonhomme, j'espère que tout va bien, son stage se passe bien. Il a commencé il y a 5 jours. Allez, bon, bah voilà. Hein. Donc, j'ai commencé. Merci pour les plafonds, hein, Chiro. Donc si vous voulez m'aider, vous pouvez me faire des armes, des balles. Hein. Fusil de précision, fusil long, les balles qui vont avec, bazooka, tout. Hein, vous pouvez, si vous voulez contribuer, sinon je les fais. Hein, moi, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Qu'est-ce qu'il y a dehors là? J'ai entendu une grosse bête marcher là, c'était quoi ça? Bon, ça y est, j'entends des... Bah non, ça marche, hein. Il y en a un qui me suit ou quoi? C'est quoi ce truc? Attends, c'est un truc de malade, là, j'entends marcher, là. Attends, gros. Ah, c'est la mascotte, Fier. Ah ouais, la mascotte du Canada aussi. Ah, combien, Paco? Combien? Je suis intéressé. Ah, pss, qu'est-ce que t'as, toi? T'as un souci, là, tu... Hein? Tu cherches à divorcer ou quoi? Et oh, ton problème, là? Un dino à l'étage? Je vais voir. Ouais, parce que hier, j'ai appuyé sur le G, et j'avais tellement mal à l'œil, je voyais que dalle, je faisais que des âneries hier. C'est pour ça que je vous ai quitté, ça m'énervait. Ah ouais, j'ai appuyé sur le gîte à tous les animaux, le bordel, je vais que déconnecter, c'est toujours comme ça. Hein. C'est qui me suit là? C'est un escargot, non? Il fait pas autant de bruit que ça. C'est quoi ce... Ah, c'est les mosh-up et... Ah, c'est les loups et tout, j'ai pas été hier.
Ah, ça doit être le boxon là-haut. Oh. Ah ouais, t'as raison, Chiro, c'est, ça se passe là-haut. Ouais. Oh ouais, je suis complètement zappé. Ouais. Je te prends 2000 cristaux, Paco. De quoi? Tu le veux? Mais je t'en pose des questions, moi. Oh, des. Bon, je prends les deux, alors. 2000 cristaux, c'est OK. Hein? T'as les lingots? Bah, prends le 279 à Paco. Mamie, prends celui à 2000 cristaux. 2000 cristaux. Les lingots, je t'ai fait tous les murs et les plafonds. Je t'agresse pas quand je te parle, moi. Non, mais je te dis quoi. Non, mais t'as vu comment tu parles? Tu m'agresses. Eh oh! T'en as marre de vivre ou quoi? Hein? Va te suicider ailleurs. Non, crier, on dit, Paco. Ah, j'ai pas besoin d'écrire. Bon, et moi l'autre. Bon, bah, j'ai commencé. Voilà, hop, voilà. Bon, Patricia prend le 2000 cristal et moi je te prends le 2000 l'autre. Eh, c'est une femelle? J'ai même pas regardé, moi. Ouais, je lui ai donné tous mes lingots. Oh, t'as pas besoin de te justifier, tu m'as rien donné. Deux femelles, d'accord, ok. Ça marche. Ouais, c'est les escargots qui bougent, non Chiro, c'est pas les escargots. Mais ouais, non, et en plus, c'est ouais, il faut que j'arrête le suivi. Ouais. Alors attends, déjà je vais voir les loups là, les mochops. C'est le boxon là-haut. Oh bah oui, tu m'étonnes. Oh là là. Oh bah oui, oh bah oui, oh là 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 là. Pff, je vais pas pouvoir rentrer en plus. Vas-y, c'est bon, calme ta joie toi. Vas-y, calme-toi. Je peux même pas rentrer là. Comment je vais faire, moi? Attends. Oh le bordel. Ah, ouais. Ah si si, ça y est, c'est bon. Ah, le bordel, ouais, t'as raison. Mais... J'ai dit, j'ai appuyé sur le J sans faire exprès, il laisse tomber. Mais... Et j'allais déconnecter, c'est toujours comme ça. Hein. Tu dis, ah bon, allez, je fais ça et je déconnecte. Oh, puis il y a une. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. J'allais dire autre chose, mais bon. Ah, j'ai un E9 toujours, tiens. Un œuf de loup. Ah, faut aussi que j'arrête les escargots le suivi. Oh le bordel. Oh, bah, bah. Ouais, ça c'est pris de zout. Tiens, je m'engourais. Ça va pris de zout. Comment on va? Attends, je remets tout ça. Ah. Le Viraptor, il suit aussi? Ah, attends, je vais voir ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il bouge? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Allez, hop. Je suis même pas habillé. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Attends, il y a des retours, là. Voilà. Ok. Alors, attends, toi, t'arrêtes de me suivre. Apparemment, tu me suis. Voilà, ça y est. Donc, ça, c'est bon. Attends, on se calme. Voilà, tranquillou. Voilà mon bisou. Ma famille est fière. Bon, allez, ça c'est bon. Demain, j'ai la journée pour jouer. Ah ouais? T'es en repos demain? Demain, on est quoi? On est samedi demain, ouais. Il est prêt à le prendre, Paco? Est-ce qu'il est prêt à le prendre, la femelle T-Rex? Faut
Faut que j'aille regarder si j'ai le métaux, parce que je t'en ai déjà donné 2000 l'autre fois. Donc je vais aller regarder ça. Hein. Donc ça, c'est bon. Ok, ça, ça marche. Parce que moi, faut que je prépare aussi pour dimanche, hein, le carnage. Hein. Salut Tonio, comment vas-tu? Donc les escargots. Ça devait t'exciter aussi, là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Vas-y, calme ta joie aussi, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'envoie la cage, lui. Oh, c'est fou, ça. Allez, hop. Nourriture. Oh non, non, c'est bon. Laisse la cage. C'est pas une femelle. De toute façon, t'es ni mâle ni femelle, toi. T'es les deux, toi. Alors, attends. Désactiver la promenade, activer le suivi. Bah, pourquoi il... Bah non, il me suit pas, lui. Qu'est-ce qu'il a? Je comprends pas. Ah bah, il est calmé. Pourtant, il me suivait pas. Je comprends pas. Oh là là là, c'est escargot, inspecteur gadget. Voilà, calmez-vous, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais, je suis beau, mais je suis pas zoophile, moi, c'est bon. Calme-toi, voilà, c'est cool, hein. Et puis toi? Ah, toi, t'es calme, toi. Toi, t'es tranquillou, toi. Ok. Ah, puis t'as eux aussi, là. Ah, ça y est? Voilà, toi je calme tous là parce que. Attends, et lui aussi est encore excité là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et toi aussi? Allez, hop. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. Demain matin, je dors, Pritz. Ah ouais. Tu peux pas ce soir, Pritz? T'inviter. T'inviter à quoi? J'ai pas besoin de t'inviter, je te prends pas dans la tribu, Pritz. Tu veux dire quoi? Tu m'invites demain matin. Tu m'invites, c'est-à-dire, hein? Demain c'est le dernier jour. Ouais, c'est samedi demain, Rem. C'est ça, d'avoir une femme qui taffe le samedi. Ah ouais. Alors attends, c'est là. Ça... Ouais, tout à fait, Rem, tout à fait. 14 heures, c'est plus tard. Hein. Sinon, c'est très. Salut Zeus, comment va? Qui c'est qui a gagné la course? Bah, c'est ton poulain, Zeus. C'est Paco. T'as pas regardé les vidéos, Zeus? Ah, il nous a bien embêté, ton poulain. Hein. C'est ça, hein, Zeus. Ouais, c'est ça, c'est Paco. Hein. Que tu l'invites chez toi, papy en réel. Ah ouais, demain matin? Non, pas demain matin. Demain, je reçois deux Allemandes. Je reçois ma mère à 15h, je vais me lever vers midi. Moi, le matin, je connais pas. Tu passes sur Bastia, Pritz? Quand elle est là, c'est injouable. Ah, d'accord. C'est injouable? Pourquoi c'est injouable, Pritz? T'as bon, des coups pour gagner. Ah ouais, va voir ce qu'elle a fait, ton poulain de Zeus, tu vas voir. Non, j'ai pas eu le temps, trop de soucis, c'est un... Je viens d'apprendre que lundi, j'ai plus de PC pendant un mois au moins. Ah bon, Zeus? Qu'est-ce qui passe, hein? J'ai dit que je te préviendrai à l'avance. Prévoque, veut voir les Allemandes. Il laisse sa femme jouer au jeu et il vient me voir les Allemandes. C'est deux frangines en plus. Tu veux voir les Allemandes? Les sujets. Vous êtes trompés là, hein. C'est une maison d'hôtes, hein. C'est pas une maison close. Hein. Attention, hein. Faut pas vous tromper, les gars. Je vais avoir le GIGN qui va venir, moi. Arrêtez, les gars. Elles sont sœurs, ouais. C'est encore mieux. Et écoute-le, regarde-le, le pervers, le chiron. Il se bine. Restez groupir, que je puisse. Et l'autre il est derrière le mur avec le trou, tu sais, pour surveiller. Et puis il dit restez groupir, je vois pas si. Ah, c'est fou ça. Ichli Budish, c'est ça? Ichli Bidish. Ça veut dire je t'aime. Ichli Budish. Hartoun, hein? Hartoun? Hein? Vasistas? Bah ça c'est les fenêtres, ça. Ah,
L'autre fois, je vous ai dit, si vous êtes à raconter des histoires que vous ne connaissez pas, et puis vous avez rigolé, je m'en suis raconté une, moi, l'autre soir. Ou tôt le matin, j'en sais rien. Je suis complètement pourri, j'ai rigolé. J'en rigole d'avance. Ah, comment on dit l'idole en chinois? On est mal, patron, on est mal. Pff, ça n'a pas de forme. J'ai sorti ça, j'ai rigolé, j'étais mort de rire. Ça n'a pas de forme, c'est même pas marrant. Non, mais j'ai pensé à l'autre, la décathlon, c'est pour ça. Hein? Alors attends, parce que 4 ans d'allemand et j'ai rien retenu. Ah, t'as fait 4 ans d'allemand? C'était à l'époque où ils nous orientaient vers l'allemand, là. C'était au temps de qui, ça, au temps de Mitterrand, non? C'était qui avec nos gamins? Non, c'était pas Mitterrand, tant des gamins, c'était l'autre après. Chirac. Chirac. Ah ouais, il orientait vers les Allemands parce qu'il devait y avoir le rapprochement de la France et de l'Allemagne. Voilà, il lâchait l'anglais et il nous orientait vers l'allemand. Donc ça doit être ça, Pritz, ça doit être tes parents qui t'ont orienté vers l'allemand. J'en ai orienté un sur nos 4 enfants, laisse tomber. Hein. C'est un truc de malade l'allemand. Fier d'avoir misé sur Paco, je le soutiens. Ah bah tu peux, Zeus, hein, il a ses chances, hein, Zeus. Il n'y a pas de problème. Hein. Il va falloir le contrer, lui, parce qu'il va avoir tout le monde contre lui, Zeus. Les deux sœurs veulent bien te faire des coups, des cours de langue. Ouais, mais hey, je sais pas quel âge qu'ils ont, hein. Ça se tombe, ils ont 90 ans. Hein. Ils ont plus que la langue, ils ont plus les dents. Hein. Je te dis pas. Hein. Je sais pas. Ah, je sais pas si ça sera des blondes ou... Hein, parce qu'on parle des blondes, des rousses et des brunes, on dit jamais les blanches. S'il y a des blanches aussi, hein, les cheveux blancs, là. Ou les cheveux gris, hein. C'est peut-être des grises ou des blanches, hein. C'est peut-être pas des blondes, ni des brunes, ni des rousses, hein. C'est Angela Merkel. Au prix de zout, il reste à Ajaccio, là. Tu m'étonnes. S'il me dit, ouais, c'est bon, là, je comprends plus. Là. Déjà, toute seule, Angela, laisse tomber. Alors, s'ils sont deux, des deux Angela, waouh. Ah, ça dépend où tu viens dans la région, la moitié des établissements. T'avais pas le choix, c'est anglais. À l'inverse, c'est peu. Ah ouais? Ouais, bah, nous on avait quand même le choix avec. Ah, remarque, c'était la deuxième langue, ouais. C'était espagnol ou italien, hein, souvent, ouais. Il y avait le latin, moi je vois pas pourquoi apprendre une langue morte, je vois pas l'intérêt, à moins que tu veux être archéologue, quoi. Sinon. Hein, c'est mieux sans les dents, ça ne raille pas. C'est Cédric, hein, c'est pas moi, alors attention, hein. C'est. Hein? Mais bon, on est dans le cours de langue, hein. C'est, ouais, c'est sûr. Hein. C'est... La prononciation sans les dents, ça doit être dur. Hein. Essayez de dire Ischlibudisch sans les dents. Ischlibudisch, c'est pas évident. Hein. Il faut. Hein? Je te mets un lien YouTube pour te. Oula, oula. Oula, là, non. Fritz, pour être mort de rire, on dit, mais pas pour ça, attends. Je connais la tour de Pise. Nous, Espagnols, Italiens, il y avait très peu de collègues et lycées qui le... Ah ouais? La joie d'être frontalier. Ah, tu connais donc la langue, alors? Moi, j'aurais aimé apprendre l'espagnol, franchement. Ah ouais, ouais. Mais mi parler Spanish, un poquito. Un poquito. Je veux pas la mort, non, tu veux juste le pipi, Prince. Salut Ira, comment vas-tu? Oh bah allez, ça démarre en flèche là ce soir. Allez, oh. Oh attends, j'ai des chouchots. Attendez, je regarde. Hein. Ok, ça marche, je regarderai plus tard, Prince. J'ai ton lien, il n'y a pas de soussaille. Ouais. Ouais, on se prépare pour dimanche. On se prépare. Enfin, j'essaye de me préparer parce que là, ça démarre. Là, hein. On parle d'allemand, d'anglais, de langue. Il n'y a pas de dents. Oh là, ça va dans tous les sens, là. T'as fait 6 ans d'allemand? T'as rien retenu? Oh purée, ça, c'est dommage. Hein. Langue vivante 2, la deuxième langue, ouais. Le Kierio Abuelo. Alors là, je sais pas.
Chiario, c'est Tuquero. Tuquero. Moi, j'ai appris par cœur, c'est... Oh, je me rappelle plus. Attends. Ah. Quand... Oh, attends. Ah ouais, Queries salir conmigo. Queries salir conmigo. Ah, qui c'est qui peut me traduire ça? Je l'ai appris par cœur, moi, quand j'allais en Espagne. Et ça a marché une fois en France, mais pas en Espagne. C'est quelqu'un qui apprenait l'espagnol. Et puis je lui ai dit ça, et ouais, ça a marché. Te quiero, c'est je t'aime. Te quiero? Ah bon? Te quiero. Ah, d'accord, ok. Je t'aime, papy. D'accord. Te quiero, abuelo. Abuelo, c'est papy? Abuelo. Abuelo. Je connais papy Mouzo, mais pas abuelo. Je vais dire... Oh, Rem, t'es espagnol, Rem? Purée, il a su ce que j'ai dit, là. Wouah, tu sais pas, toi? Ça veut dire quoi? Ah ouais? Comment ça se fait? Je t'avais dit parler de ça. Ah bon? Ah bon? Abuelo, c'est grand-père. Ah non, mais je suis... Je vais faire papy, moi, abuelo. T'as fait de l'espagnol? Mais je t'aurais dit ça, tu m'aurais dit quoi? Tu m'aurais dit dégage? Ah bon? Et je t'aurais dit... Ah? Tu m'aurais dit... Oh les langues, mais laisse tomber. Oh, c'était le flow-clo hier, avec les Anglais hier, laisse tomber, kitchen, bedroom, machin. Alors là, demain soir, c'est allemand. Waouh. Je vais leur dire, restez groupiers. Das Auto. Ça veut dire, garde ta bagnole ici, garde ton auto. Das Auto. C'est Volkswagen. Ouais, je mets... Ouais, non, bien, Rem, hein, franchement. Ah ouais, 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 ouais. Qui a yes, salir conmi, ouais, ouais, ouais. Ça a marché qu'une fois, je te dis, c'est... Voilà. Et en France. Identité, cliquez... Ouais, je vais avoir des Allemands de Nico. Attends, j'autorise parce qu'apparemment, ils t'ont bloqué ton message. Voilà. Ok. Tu es Hades allemande. Je sais pas pourquoi ils ont bloqué ton mot, Nico, tu vois. Tu es Hades allemande. Peut-être que c'est des grossièretés dans une autre langue, je sais pas. Ouais, demain, Nico. J'ai deux Allemandes. Non mais sinon, sérieux, tu passes demain ou pas? Dis-moi, hein, je vais peut-être trouver une petite heure à te recevoir entre 3 et 4 heures ou 4 et 5 heures. Non, 5 heures, non. Non, on s'en va à 5 heures demain. Et à 6h15, on doit être là pour les Allemandes. Alors, mais dis-moi, hein, je vais trouver une petite tranche. Hein. Non, je garde mes mômes. Ah d'accord, ok. Ok, si je peux, je vous reçois, c'est pas les paroles en l'air. Hein. Mais là, je suis débordé demain. Hein. Je te dis, j'ai les Allemandes, il faut que je sorte demain soir. Il faut que je revienne, il faut que je fasse les chambres, il faut... Donc, D'accord, t'as des mômes alors. Bon courage, hein. On a eu 4, moi c'est bon. C'est bon, j'ai donné. Hein. T'en as combien prises, Patricia, demande. Bon là, attends, je fais une vidéo sur le fion du bousier là, hein. C'est bon, on va peut-être avancer. Hein. Les youtubeurs, ceux qui me regardent les vidéos, ils vont dire, j'ai 111 abonnés quand même, c'est pas mal. Hein. T'en as deux prises? Ah d'accord, on en a eu le double. Hein. T'as une fille? Rassure-moi, non. Hein, parce que là, les filles, c'est terrible, hein, les filles. Hein. À l'adolescence, c'est terrible. Hein, c'est waouh. Moi, j'en ai eu qu'une. Avaler les trois garçons, hein, c'est clair. Hein. Il faut que tu mettes la cinquième compagnie. Ouais, Nico, ouais. Restez groupir. T'as les deux? Ah bah d'accord, ok, t'as le couple alors. Eh bah tu vas voir, la fille, je sais pas quel âge qu'elle a, hein, mais arrivé à 12-13 ans, tu vas voir, tu vas sentir ta douleur. Hein. Tu vas dire, purée, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas vu mon message, lève pas papy. Non mais je viendrai Paco, je viendrai, t'inquiète, y a pas de souci. Hein, je viendrai en radeau et je repartirai en radeau. Hein. Ça aide. Ah t'en as trois? T'as trois enfants? Bah tu m'as dit deux. Dis ça à Patricia avec un bel accent, elle va être sous ton charme. Je te parle alors. Tu mi querida, eres la más guapa del mundo. T'es la plus jolie du monde, non?
Tu es la plus jolie du monde. Je sais pas. Tu, mi querida, eres la muy guapa del mundo. Ah, ouais, c'est ça. Non, elle m'a dit c'est ça. Donc c'est toi qui, hein. Et puis c'est un compliment en plus. Tu comprends rien. Bah, t'es la plus belle du monde. Serre-moi un deuxième. Ah là, elle a compris, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi, Rem, s'il te plaît? Dis pas ça, j'ai qu'une fille, ça promet déjà alors l'adolescent. Ah oui, oui, je te le dis, moi, Cédric, hein, moi, je suis passé par là, hein, pour la fille. Hein. Eh, j'ai morflé, hein, moi, je te le dis. Hein. Je m'excuse pour les femmes qui sont derrière, hein, mais je dis ce qui s'est passé. Hein. On enterre le romantisme. On essaye, ouais. Chérie, tu es la plus belle du monde. Ah, t'as vu? Ah, elle s'en fout à parler avec Paco, alors. Ah, t'es chez lui. Alors, si t'es chez lui, je lui ai dit, chérie, t'as plus belle du monde, et puis aller chez un autre, alors. Pas de problème avec Paco. Hein. Je sais qu'il aime bien Dev, alors. Pas de soucis, hein. C'est cool. Attends, parce que moi, je perds le fil de mon... Voilà, attends, je vais relancer ça. T'es déjà parti chercher ton T-Rex, t'as peur que je te le sucre ou quoi? Tu peux pas me ramener le mien? En même temps? Bah, je vais le payer là, hein, je vais y aller. Hein. Comme ça me fait moins loin de chez toi ici si tu fais un voyage déjà, non? Tu me files 200 cristaux puis je te permets de le ramener. Hey, c'est un privilège de ramener mon T-Rex. Le T-Rex de Papy Corse. Attends. Oh, ça marche pas. Bon, écoute. Hein. Allez. Ouais, donc on va essayer d'avancer un petit chouille quand même. Ouais, on va aller voir le peu que j'ai fait hier avec Gaston parce que j'avais mal à l'œil. Alors, on va aller voir ça. Je vais vous montrer. Attends. T'es bourré, toi, ou quoi? Non, tu veux pas te poser. Voilà, c'est bon. Voilà. Attends, je me suis même pas habillé. J'ai même pas été voir Gaston pour m'habiller. Attends. Allez. C'est parti en cacahuète, là, ce soir. Hein. Où c'est qu'il est, mon... Oh. Que pasa de nas? Ah, il est là. Bon, ça va. Ça, ok, ça marche. Survivant. J'ai deux nanofs. Je sais pas ce qu'ils font là. Ah bah oui, j'étais cherché là. Donc je vais les mettre dans le frigo. Habille-toi avant d'aller chez Paco, vaut mieux. Ah ouais, bah là c'est la tenue anti-émeute, hein, s'il faut aller chez Paco. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair. Pas envie d'être enfermé dans un coin et ah non, faut longer les murs. T'as compris une fois, Rem, alors maintenant tu vas habiller. T'es ressorti de chez lui à la Lucky Luke. T'appelais ton dino Jolly Jumper, non? T'avais les gens marqués. Je chez papy, oh, ils ont cassé tous leurs murs. Ils refont leur base. Zeus, c'est pour les animaux sauvages, Zeus. C'est pour ça que je les enferme. Ils sont pas tous à l'intérieur. Hein. Je mets ceux que j'ai pas envie qui se barrent. Là, tu vois, là, t'as les Rex, enfin, c'est les plus gros, hein, ils sont là. Et je me suis fait péter les animaux que j'avais laissés dehors par des animaux sauvages, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que je les enferme, et tout le monde les enferme. Hein. C'est pas les survivants qu'on craint, hein, puisque c'est marqué sur le log. Donc on n'a pas tué les animaux des autres, mais ce sont les animaux sauvages, ça on peut rien contre. Oh, j'ai encore deux, tout simplement, Zeus. Après, il faut que je me fasse un grand parc dehors, je les mets tous dehors, ça me ferait plus de place, c'est sûr, Zeus. Ça c'est clair. Mmh.
Bah quoi, cassé tous les murs de sa base hier, donc il a plein de courant. Ah bon, il a cassé tous ses murs, Chiro? Ah bon? Tu vas souvent chez Paco, Chiro, hein? Hein? C'est bizarre, ça, Chiro. C'est bizarre. Alors, attends, voilà, je bois un coup. Attends, je vais chercher des steaks et puis je vais vous montrer un petit peu pour dimanche. Hein. J'ai commencé, mais je vais en faire plus avec Gaston. Alors, attends, parce que là, je vais terminer mon... Voilà, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.